Bonjour, bonsoir tout le monde. Nouvelle lieu tombé, la FIFA li fait choix de madame Michaël Jean pour venir diriger comité de normalisation qui lui même parlé pour rien football pays d'Haïti dans une durée de 2 années. FIFA a fait annonce ça et mois passé côté que il était annoncé que football là lui même pral dirigé par un comité qui pral gagner pour faire un ensemble de travail, un ensemble de objectifs. Le premier objectif ça yo c'est pour régulariser, pour restructurer Fédération Haïtienne de Football, pour continuer enquête qui même gagne moun y a même enquête sur la Fédération Haïtienne de Football là. Et bien la FIFA il fait choix de madame Michaël Jean. En pile question et qui posait pour dire pour qui ça c'est madame Michaël Jean la FIFA choisi, qui objectif FIFA gagne avec football haïtien. Et bien dans vidéo ça nous pral parler de quelques informations que ou même ou t'es ignoré de madame Michaël Jean ou bien quelques bagages ou pas connait de lui tout. Nous pral parler de madame ça. En fait madame Michaël Jean, pour un bagage pour comprendre, et raison qui fait FIFA choisir comme étant présidente Fédération Haïtienne de Football, il faut qu'on comprenne l'objectif FIFA qui bail et comité de normalisation ça pour être capable de comprendre le choix ça. Pour un bagage là, FIFA qui très clair, il dit nous n'y a pas été fédération, il faut qu'ils soient nous qui honnêtes, il faut qu'ils soient nous qui crédibles. Donc, parce que la FIFA, si les films ban le président de la Fédération Haïtienne de Football, la docteur Yves Jean-Bar, pour ensemble de problèmes, abus sexuels et l'autre suspicion qui gagne sous docteur Yves Jean-Bar, eh bien, la FIFA pas comprendre qu'il était choisi n'importe qui pour venir remplacer docteur Yves Jean-Bar. Donc, premier barrière, c'est que nous n'avons pas de monde qui est honnête, de monde qui est crédible, de monde qui inspire confiance à monsieur FIFA. Yo. Donc, pour être capable de fonctionner ensemble avec lui. Deuxième bagage, c'est que c'est un comité de normalisation qui prend et garde les règlements FIFA yo, et garde les règlements Fédération Haïtienne de Football pour garder les statuts Fédération pour voir est-ce que le règlement statut Fédération hein, est-ce que lit et marché avec les statuts de règlement FIFA yo. Et puis, et l'autre travail encore, c'est que enquête qui est en cours yo, pour le comité de normalisation ça capable de faciliter enquête ça yo pour même capable abouti. Et bien et FIFA fait choix ça et en pile nous poser tête une question pour dire Michaël Jean c'est pas un monde qui parle souvent dans le milieu sportif là ou dans le milieu football là, c'est pas un monde et qu'on entendait et qui a intervenu dans le milieu ça pour que ça FIFA fait choix ça. FIFA fait choix ça et comprenne que il y a un objectif très clair. Il y a un objectif très clair et FIFA lui comprenne que si football en Haïti hein, et avec bannition et docteur Yves Jean-Bar là, donc football là dans le pays d'Haïti pas capable de mourir. Donc football là il doit vivre et il doit continuer jouer. Pour bagarre là, madame Michaël Jean li c'est un diplomate. Si on monde qui étudie la diplomatie et on cap comprendre les relations internationales, donc madame Michaël Jean c'est un monde qui est très connu dans le milieu international là, donc ça veut dire que FIFA lui a besoin d'un monde qui peut internationalement connu, donc pour le football là il est capable de bail projection que il veut bail à football là ici. Deuxième bagarre là son femme d'état et madame Michaël Jean Pablier c'est le monde qui gouvernait pays Canada déjà, ça veut dire en termes d'administration et c'est vrai c'est pas administration et politique, c'est administration et sportive ça est, mais c'est presque les mêmes choses. Et madame Michaël Jean ligon expérience dans diriger, ligon expérience dans fonctionner avec nous, ligon expérience dans et ça ne dégrabili et administration, donc ça veut dire pour structurer et Fédération Haïtienne de Football là, donc madame Michaël Jean avec moun qui lui-même prend la compagnie li le comité de normalisation ça, il pral gagne du foie à faire. Pour même dit son femme d'état, il était gouverneur pays Canada.
Madame Michaëlle Jean, c'est une diplomate et aussi Madame Michaëlle Jean, c'est une journaliste. C'est un journaliste de profession, il était journaliste avant qu'il était gouverneur dans le pays du Canada. L'autre bagage encore, Madame Michaëlle Jean, si on ne comprend pas lui, pas qu'on est de lui, lui parlait 5 langues. Son monde qui parlait 5 langues. Lui parlait français, lui parlait anglais, lui parlait espagnol, lui parlait italien et lui parlait créole haïtien. Ça veut dire, l'autre pour nous qui consacre la diplomatie, qui consacre la question relations internationales et yon qui c'est une femme d'affaires, à parmi ça tous une femme d'affaires de FIFA, et ou pas comprendre, figure ça et il choisit, les FIFA choisir ici parce que justement voulait bailler l'autre visage à football haïtien. Mais l'autre visage pour comprendre que football là, dans la façon de jouer là, football là, dans la façon que lui est là, lui pas capable de comme ça, et bien FIFA lui fait choix de Madame Michaëlle Jean et pour venir diriger ou pour venir mêler le comité de normalisation. À côté de Madame Michaëlle Jean, il y a quatre autres monde qui ont même pral gagner pour accompagner lui. On a rappelé que possible le comité de normalisation ça a gagné deux filles et deux garçons qui ont même pral capable de diriger comité de normalisation. C'est des noms très connus. On a pourtant ça qu'elle sortit, mais tout nous est-il que on a dit une bonne chance à Madame Michaëlle Jean dans aventure ça, dans cette fédération haïtienne de football là, on espère que football là il va prendre une autre dimension, football là il est capable de prendre une autre renouveau et en termes de structure, en termes d'organisation et donc et pour capable bénéfique pour les joueurs qui ont même souffert en pile et à cause de façon football là la fête dans le pays d'Haïti. Merci à tout le monde qui t'a tendu des vidéos ça ou bien qui t'a regardé vidéo à tout. Nous espérons que vidéo a été fait bien. N'a pas porté l'autre vidéo pour vous. Toujours dans ça qui gagne à ouais travail à et comité de normalisation ça lui-même il pourra l'effectuer dans et jour qu'à venir là. Faites brancher.